Le rideau de la première exposition internationale des produits de consommation en Chine tombera ce lundi dans la ville méridionale de Haikou. L'événement vise à ouvrir davantage l'économie chinoise et donner un meilleur accès aux marques étrangères. Le deuxième jour de l'événement a vu une vague d'accords conclus avec des produits allant des yachts et des boissons aux biens de nécessité quotidienne. Les dernières données montrent que plus de 30 activités d'achat à grande échelle ont eu lieu. Plus de 70 nouveaux produits nationaux et étrangers ont été lancés et plus de 2600 marques sont exposées.